Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Eh bien, nous voilà donc dans le potager qui dit non, avec une mission un peu spéciale, monter la serre. Tout va bien se passer, je suis accompagné de mes brico-girls, ça va le faire. Voilà, je ne suis pas bricoleur moi-même, mais on va essayer de s'en sortir. On a accepté cette mission qui consiste à assembler ce tunnel de 3 mètres sur 3 et on a 2 heures pour ça. En tout cas, sans la bâche. Alors, on verra le problème de la bâche après. Je vous rappelle que c'est un endroit extrêmement exposé au vent et donc on doit prendre des précautions particulières. On verra ça en détail par la suite. Allez, à tout à l'heure. I'm alive, she said, at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said, as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint in her smile, a glint in her eye, they watched on by. We were soaked to the bone. Bon, ben les Claudettes elles m'ont laissé tomber là, donc je vais être un peu tout seul pour finir, en tout cas pour continuer les tranchées qui sont destinées donc à tenir la bâche, en plus des pics métalliques là en fer à béton que je suis venu mettre. J'ai mis 8 crochets, comme ça devrait quand même pas mal tenir la structure. Et voilà, là maintenant il reste cette bâche à enterrer. On dispose d'un mètre de rab de chaque côté, hein, finalement, du tunnel. Donc de quoi enfouir confortablement la bâche de chaque côté. J'espère que ça sera suffisant pour tenir. Les fabricants de serres préconisent plutôt, d'après ce que j'ai vu sur la toile, d'orienter le cul de la serre finalement face au vent dominant. Or, les jardiniers présents là autour de nous aujourd'hui, les copains m'ont plutôt suggéré d'opposer le côté au vent dominant, de manière à ce que le vent roule sur ce côté. Et selon leur expérience, sur ce qui s'est déjà monté ici, c'est ces dispositifs-là orientés de cette manière qui tiennent le mieux. Donc on a décidé immédiatement de leur faire confiance et on a donc revu l'orientation de la serre par rapport au projet initial, quoi. Allez, on continue. Voilà, donc la serre est terminée. On a donc posé des sacs de sable de 40 kg chacun de chaque côté pour s'assurer du maintien. Ça a au moins valeur à me rassurer comme il faut. C'est déjà quelque chose en soi. La bâche a été enterrée donc à 35 cm, 40 cm de profondeur. Une première fois, on a rebouché un peu, on a replié la bâche encore une fois dessus et on a rebouché une seconde fois. Bien tassé. Je pense que, bon, a priori, ça va tenir. Il reste le problème de la porte. Alors pour le moment je ne sais pas encore comment faire. On se donne le temps d'observer, hein. Voilà, on va passer quelques mois comme ça, peut-être même toute l'année. On va voir un peu comment ça se passe. Et puis simplement là il faut soulever pour passer en dessous. Au moins quand c'est fermé, c'est complètement hermétique, il n'y a pas de prise au vent. Je pense que là le vent peut pas trop s'engouffrer à l'intérieur, c'est déjà pas mal. Maintenant si on décide de la laisser à demeure même l'hiver, eh bien on viendra installer une porte à proprement parler, voilà, avec des montants en bois et puis quelque chose de plus rigide. Bon,
Encore une fois, on se donne le temps d'observer un peu comment ça se comporte et puis on verra bien comment on fait. Voilà pour la serre, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Je pense qu'on s'est doté là d'un nouvel outil assez intéressant. Ce qui reste encore à déterminer, c'est est-ce qu'on réussira avec un outil comme celui-là à produire les légumes qu'on attend, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.